Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est séquence VTT. Encore. C'est un petit peu l'activité du moment. Alors, je propose du VTT. Donc, l'idée, c'est simplement de faire une vidéo sur des descentes, deux descentes enduro qui ont été aménagées et donc proposées par un club local. Pas trop de détails. Je ferai une vidéo un peu plus tard. Pour présenter le club, les personnes qui s'en occupent et puis vraiment les circuits qu'ils ont aménagés. Aujourd'hui, c'est juste donc les deux descentes, simplement comme ça, pour vous montrer un peu ce que je suis capable de descendre et les circuits sur lesquels j'espère progresser prochainement sur les prochaines semaines. Je précise que pour cette descente-là, en fait, j'avais jamais repéré le circuit. C'est-à-dire que c'est la première fois que je me pointe sur cette descente. J'ai un gars du club qui est derrière moi qui me suit au cas où je me gamelle. D'ailleurs, sur la fin de la descente, après, il est passé devant, il devait s'ennuyer à klaxonner derrière. En tout cas, c'était zéro repérage et direct comme ça, je découvrais le circuit. Surtout qu'elle est vraiment pas facile et elle tabasse pas mal. Pour la descente qui suit, quand même, je précise. De plus, que c'était la deuxième fois donc qu'on montait au sommet, enfin au niveau du départ. Hein, donc on monte la première fois, donc c'est 800 mètres de dénivelé positif, on fait une descente. Ensuite, on remonte une deuxième fois, à nouveau 850 mètres de dénivelé positif, avant d'attaquer cette descente-là que vous allez voir. Donc on est quand même bien bien fatigué et on n'a pas de jambes. Hein, je vous le dis que c'était vraiment compliqué. Ah putain, ouais, surtout ces petites pédales là. J'ai pas de problème. Merde! Attends, j'ai pas enclenché quoi. Ah! Allez! Donc là, tu vois. Oh putain! Aïe! Mais une dent de plus. Ah putain! En fait, c'est une montée! Ouais. Ah! C'est parti, là, puis ça vient un peu, j'ai trouvé. Ah! Putain, j'ai plus de jambes là. À partir de là. Tout droit. Ah
Bah oui, je suis coincé dans mon vélo. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai hésité en fait. Ouais, il faut qu'on le marque. J'aurais pas dû. Hop, hop, hop. C'est la nouvelle partie, celle-là. Ça, elle est pas encore. Faut qu'on mette un bon bois ici pour indiquer qu'il faut aller sur la droite. C'est rien, c'est rien. Ah. Là. Oh putain! Attends, je ralentis un peu, j'ai plus de jambes. Allez, allez, c'est pas grave. Ah ouais, et un peu brut de décoffrage aussi celle-là. Ouais, c'est intéressant niveau pilotage. Oh putain. Ça va? Ah ça va ouais, mais j'ai les jambes... Ouais, c'est... ouais j'ai plus de jambes là. C'est normal. La deuxième montée là, ça m'a tué là. Ouais.
tranquillement. Il y a ma relance, t'as vu ou pas? Il est tranquille aussi. Putain, ça roule. Épine de pin. Je suis mort. Je suis décalqué. Hop, attends, j'étais un peu optimiste là, sur la bosse. Oh bordel. Merde, putain, mais je perds les pédales, moi. La trace. Putain. Putain de racine. Ah ouais. Ah. Oh bordel. Putain, je vais filer dans un arbre. Oh et là, putain! On a remonté ce matin, on a pris l'ancienne ici tout droit. Ah oui. Et là, c'est la deuxième. C'est bien, bon, tu t'en sors bien, franchement, ça va. Oh putain! Ça arrête pas beaucoup là. Oh, je suis mort. On enchaîne, tant qu'on est chaud. Ouais, tu m'as un peu distancé, j'ai tiré tout droit alors dans un virage après. Ouais, bon. Il y avait une espèce de mini double bosse là. Oh, j'ai dit, allez, je saute. Ouais, il y en a une qui est sur la droite la dernière, faut pas sur la droite. Sauf ouais, que j'ai pas réussi à tourner. Allez. Ouh. On a fait le plus gros. Ouais. Il reste plus qu'une grosse fois là.
putain, mais on est secoué comme un prunier, quoi. Tenir mon guidon, quoi. La dernière partie. Ah, t'es un peu abîmé le bras gauche tout à l'heure. Ah ouais, merde. Ah ouais, bon, c'est rien. Ah putain, ça y est, bon là, c'est les bras. J'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Là, j'ai la partie du cils, c'est ces trois là. Surtout le dernier. Et après, c'est cool. Juste du raid, mais tu as 2 à l'heure, ça risque de faire un chaud. Je t'attendrai de toute façon au pont. On a fait un joli pont, je t'attendrai là-bas. Allez. Ah putain, merci les gars. Oui, effectivement. Ah, c'est pas loin. De pédale. Putain. C'est pas le gros pion, là. Petite partie un peu de relance. Ah. Cool. Roulante, une façon de parler. Putain, mais... Pour cette descente-là, je précise que c'était vraiment un jour sans, comme on dit. C'est-à-dire, j'ai été rétamé. Donc, on venait de monter 800-850 mètres de dénivelé positif pour se rendre au départ de la descente. Et j'étais, mais décalqué. J'avais pas de jus, j'avais pas de jambes. J'étais dans une forme, mais minable. J'étais complètement creux de l'intérieur. J'arrivais pas à tenir le vélo. Enfin, c'était la misère. La misère. Tranquille, tranquille. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah putain. Merci les gars pour la poussière. Thank you.
Ah. Pas possible quoi. Et là je suis pas en avance. Des endroits ça glisse quand même. Désolé. C'est tellement simple. Ah non, pas de soucis. Je t'ai bloqué. Tu m'as bloqué? Non, tu m'as pas bloqué. Sur le truc là où j'ai posé pied à terre. Je crois que t'étais juste derrière. Non, j'étais assez loin. C'est ça. Voilà. Là, t'es sous combien? Ouais. Fais gaffe. Putain.
J'ai un peu de mal à faire les deux en même temps. Ça va, petit déséquilibrage. Oula, oula. Voilà pour ces deux petites descentes bien sympathiques proposées par Ariège Enduro. Comme je l'ai dit en introduction, je ferai une vidéo plus précise de présentation du club et de ce qu'il propose. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!